Bonjour à tous, ici Classim, on se retrouve pour ce 14e épisode sur The Settler 7. Donc on s'était laissé dans le dernier épisode, on voyait que on était tous très... C'est assez difficile maintenant, il va falloir essayer de battre Dracorian et pas qu'il ait 20 d'armée. Donc là ça va être assez, assez complexe. Il a plus de secteurs que nous, il a... qu'est-ce qu'il a comme... 3 secteurs de plus, voilà, il a le secteur spécial, nous on a le Roi Soleil, donc on tient de ce côté-là. Après maintenant, ça va se battre sur Banquier et Maréchal, puisque là on est en train de prendre le secteur de quête, donc ça c'est plutôt pas mal. On est en train de construire très rapidement bien sûr, pour pouvoir vendre le maximum de choses, mais il faut que notre économie suive, et ça c'est pas évident. Il va falloir d'ailleurs, je pense, qu'on fasse aussi des chevaux, parce que là, il va nous en falloir. Et peut-être récupérer des pièces d'or, peut-être avec les récompenses, pourquoi pas, voir si c'est possible d'en obtenir. Récompense, et on va obtenir celle-ci, qui nous permettra d'avoir 14 de pièces d'or. On va peut-être le battre sur le fil, hein, qui sait. Pourquoi pas, en tout cas on va avoir nos armées nous. Je vais regarder où on est, où en sont ces mines d'or en fait, surtout ça. 56, ouais, il en a largement de quoi faire. Où est mon colporteur? Qui est en train d'apporter la nourriture normalement à la forêt enchantée. Et niveau or, on est où ici? Pierre. La pierre s'avère de se tenir. Ouais, on a fortement diminué notre commerce. Voilà, il est en train de partir là, notre colporteur, pour prendre le secteur spécial. Il est déjà à 11, hein, le bonhomme. Est-ce qu'on a... ouais, on a que 3... ah, si, quand même, 5... 5 mousquetaires. Il nous en faudrait une petite quinzaine pour pouvoir prendre le secteur là. Et pour pouvoir obliger l'armée à Dracorian de Dracorian venir se battre contre nous. En tout cas, ici, ça construit rapidement et ça, c'est plutôt pas mal. Comment se passe notre logistique? Ça a l'air d'avancer. Je vais passer ça devant par contre, ça va être en priorité. Oui, j'ai remporté un deuxième point de victoire, je veux bien, mais ça m'a pas fait remporter la bataille. D'accord, on a devenu un problème pour Dracorian. Oui, c'est plutôt pas mal, mais lui aussi est à 2 points, je te rappelle le jeu. Et en tout cas, bon, on possède le secteur spécial. Et ça, c'est important. Allez, on la rencontre près du front. Je connais à présent la vraie raison de votre conquête. Épargnez-moi encore vos mensonges. Votre père vous a promis une couronne, c'est la raison de votre présence ici. Et quand bien même, est-ce contraire à la libération de Tandria? Connaissant votre père, cela pourrait l'être. Laissez-le en dehors de cela, Tandria n'est pas son affaire, mais la mienne seule. Et en effet, nos adversaires savent un petit peu à qui s'en tenir quand même. Ils connaissent notre père, nous on a l'air de pas tant le connaître que ça. Je vous rappelle les tout premiers épisodes, pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Ouais, il va nous falloir des armées, bien plus d'armées que ça. Hein.
Il va nous en falloir bien plus des armées. Parce que sinon, même si on arrive à détruire ce fort-là, il va falloir prendre la forteresse avant que l'armée de Dracorian arrive. Donc ça va être problématique, hein. Très problématique. Et ils ont de la cavalerie, beaucoup de cavalerie. Est-ce qu'on a... non, bah pour l'instant, on n'a pas notre économie qui s'est mise en place, ça c'est sûr. En tout cas, l'orage frappe toujours, ça c'est plutôt pas mal. Et ça nous permet de respirer un petit peu. De ce côté-ci, on va pouvoir... il va falloir la monter. Pour avoir les cavaleries, d'accord. Bon, on va la construire, l'améliorer pour pouvoir construire justement des cavaleries. Mais il va nous falloir après des chevaux. Ça, bien sûr, ça va être le problème. Est-ce que les armées ici coûtent moins cher? Non, le coût des épées, on les a pas les épées. Donc, par contre, la cavalerie, ouais, ça coûte une épée aussi. Est-ce qu'on peut fabriquer des épées? Je suppose que oui, hein, parce que sinon on pourrait pas. Et ça coûte, d'accord, du fer et ok, donc ça pourrait être intéressant de construire ceci parce qu'on a du fer, on a du bois. Donc pourquoi pas. Et après, c'est qu'on n'aura pas du bois de façon indéfinie. On n'a pas cet élément important qui est le. J'ai construit quoi ça? Cabane de bûcheron, d'accord. On n'a pas construit. On n'a pas de quoi. Parce que je crois pas que. Ouais, on n'a pas cet élément-là qui est très très important pour maintenir les forêts. Ma ferme n'avait pas été construite en premier? Ah, je me suis planté, forcément. Si je mets pas le bon dans le bon ordre. Ah, ça c'est bête, ça, ce que j'ai fait. En tout cas, si on arrive à avoir plus d'armées que Dracorian, on gagne la partie. Non, c'est quoi, c'est avoir, c'est quoi, maréchal? Au moins 20 soldats, d'accord. En tout cas, on essaye tant bien que mal. Les piquets coûtent peut-être moins cher, hein. Et qu'est-ce qu'on peut vendre ici? Ouais, mais on a pas ce qu'il faut du tout, ça c'est sûr. Allez, c'est parti pour commencer. On a une armée plus importante que celle de Dracorian, mais si on l'attaque, il pourra quand même repousser notre attaque. Parce qu'il va falloir détruire. Bon, après, c'est le temps que son armée vienne jusqu'ici, mais ça, c'est pas trop un problème pour lui. Allez, notre berger qui se met en route. Là, je vais faire des chevaux, je pense, parce qu'il va nous en falloir. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour des chevaux? D'accord, donc on va remettre ici de quoi faire. On est toujours en train de vendre notre bière de ce côté-là. On est toujours en train de vendre notre bière, donc on aura toujours nos pièces d'or qui vont arriver petit à petit, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que Dracorian va essayer de nous attaquer? Pour l'instant non. Allez, encore des armées supplémentaires. On est en train pour l'instant d'essayer de construire des armées plus rapidement que lui, mais... Notre atelier de monnayage aussi fait son travail.
On a nos premières épées aussi, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir construire des armées, des mousquetaires. Ça coûte 2 pièces d'or. Construire 2 mousquetaires, 2 piquiers. On va essayer de construire le plus rapidement possible un peu de partout. Allez, 15 contre 14, on tient toujours la tête, hein, avoir plus d'armées que l'adversaire. Allez, 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 allez. Voyons voir, qu'est-ce qu'on gagne au niveau... Au niveau blé, est-ce que ça chute fortement? Pour l'instant, on a l'air de tenir au niveau blé. Je vais peut-être refaire un secteur de blé supplémentaire pour me permettre de faire... Non, c'est ça. Pour pouvoir justement essayer d'avoir de la bière en plus, encore. Pour pouvoir vendre le plus de bière possible. Là, c'est vraiment une course contre la montre, hein. On est à 15, notre adversaire 14. Les pièces d'or avancent pas très très vite, hein, ça. Malheureusement. Et on n'a pas de. On n'a pas d'habits. On a de l'or. Attendez, par contre, est-ce qu'on peut pas prendre un secteur? Marchand qui pourrait nous aider, on va aller dans le commerce. Qu'est-ce qui pourrait se vendre contre des pièces d'or? Bah, pour l'instant, rien du tout. On peut faire juste des achats et c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc, pas de commerce pour l'instant. En tout cas, là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que notre berger commence à être efficace. Notre tisserand, on va pouvoir commencer à construire. Et là, on est en train de construire nos premiers habits, donc ça, bonne nouvelle. Quinze partout. Allez, on va essayer de vendre des habits aussi. Dès qu'ils seront produits. Parce que ici on a quoi? On a nos épées, mais il nous manque notre houille et notre or. Et on en a bien là-dedans, non? On n'en a pas. Ah, ça c'est gênant ça. Si on n'en a pas. Eh, Dracorian est en train de nous passer devant là. Est-ce qu'on a une récompense? On n'a pas de récompense, c'est dommage pour nous. Est-ce qu'on a besoin de planches pour l'instant? Bah oui, un petit peu quand même. Voilà, on a 16 partout. Si notre commerce ici fonctionne, on pourra peut-être vendre les premières pièces d'or. C'est combien le commerce ici? C'est 3. 3 pour 4 pièces d'or. Voilà, il est parti les vendre. Donc on va avancer ici. On va avancer un petit peu cet homme-là, quoi. Qu'est-ce qu'on a la houille nécessaire? On n'a rien du tout, donc c'est un peu dommage. Mais on va vendre en tout cas nos vêtements. On aura nos 4 pièces d'or.
Allez, venez chercher les pièces d'or pour pouvoir construire des armées supplémentaires. On a ce qu'il faut. Là, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très stressant. Parce qu'il faut arriver à battre notre adversaire. Si on peut attaquer en plus ce secteur-là pour faire venir son armée, ça serait pas mal. Mais on risque de perdre nous des soldats, en tout cas, ça c'est sûr. Mais si on prend ce secteur-là, il y aura égalité en termes de secteur, je crois. Quoique non, il aura quand même plus de secteurs que nous. Et il a le commerce en plus. Ce qui pose problème. Pourquoi quel est le problème au niveau logistique? Construit. Chrono avant défaite, maréchal. Pourquoi 18? C'est au moins 20 soldats. D'accord, il a construit ses 20 soldats. Aïe, ça c'est pas bon. Donc on a 2 minutes pour essayer de vaincre ça. Est-ce qu'on peut avoir des mousquetaires? 1, 2, 3, qui coûtent moins cher. Il faudrait l'attaquer en fait, vraiment construire une armée suffisamment forte pour détruire, pour attaquer son secteur. Parce que là pour l'instant son armée, il faut la diminuer en fait tout simplement. Il a 21 soldats. Est-ce qu'on peut construire plus d'armées? Ah, apparemment il se déplace, il va essayer de nous attaquer, je pense. On va voir où il va mettre son armée. Parce que s'il essaye de nous attaquer, ça pourrait être pas mal, mais il va falloir qu'il vienne avant la minute. Bon, on n'a pas le temps, il faut tester. Il faut tester tout ça. Et c'est quoi son armée principalement? C'est de la cavalerie, et ouais. Pas mal de mousquetaires pour prendre notre secteur. Allez, j'ai bien peur qu'on perde sur ce coup-là. Bon, bah tant pis, on aura perdu donc cette partie-là. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est en off rejouer la partie, avancer un petit peu ben, jusqu'où on en était, parce que je pense que vous avez compris un petit peu comment faire cette carte. Et c'est un petit peu dommage de devoir vous remettre à peu près 3 épisodes pour pouvoir refaire cette partie. Je pense que je vais enregistrer quand même l'intégralité de la partie. Mais ça sera un épisode où il y aura pas mal de coupures, tout simplement, et où je vous présenterai un petit peu l'ensemble de la partie, les moments les plus intéressants en tout cas. Donc voilà.
Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle sera un peu plus courte, mais bon, ça termine sur une défaite malheureusement. C'est pas évident quand même, hein, surtout quand votre adversaire peut s'en tirer aussi facilement que ça. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!